Bienvenue des amis sur la chaîne. Et là aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de la Terre. Voilà, c'est quand même joli. Franchement là c'est fabuleux, on a l'impression d'être dans l'espace. Vous voyez, vous avez le soleil qui est là-bas. Tout autour, vous voyez, on peut voir la ligne directement de là à là. Les étoiles, tout ça. C'est vraiment chouette. Donc en fait là, vous voyez, j'ai mes manettes. Plein et voyez, on peut faire tourner comme ça si avec la gâchette, vous voyez, qui est ici sur ce gauche, on peut tourner la planète comme on veut. Voyez. Et là avec le joystick, en fait on peut rapprocher. Et je peux rapprocher. On peut quand même choisir. Voilà, Paris. Ah, c'est quand même beau, hein. C'est bien foutu. Bon, ça fait un peu carton pâte, hein, mais c'est quand même assez chouette, quoi. Alors c'est vrai que ça peut donner un peu le tournis, mais hop là, voilà, c'est ce que je voulais trouver justement. Vous voyez, alors ici, il suffit d'avancer un tout petit peu. Vous voyez, regardez, j'ai la tour Montparnasse devant moi, c'est quand même chouette quoi, et si j'avance... Champ de Mars. Alors il y a un petit temps quand même de précharge, hein, quand même, parce que le temps que ça fasse tous ces les monuments, les choses comme ça, enfin tous les bâtiments. On peut descendre pour monter. Vous voyez un peu comme c'est foutu. Là c'est moche là, parce que là, c'est vrai que ça fait bizarre, là, il y a quand même plein de travaux. Ça a dû être pris il y a quelques temps sûrement. Ah, ça fait vraiment carton quoi. Mais c'est quand même assez chouette. Hein. Les 3K. Et on peut bouger. Regardez, c'est fabuleux. Si on veut visiter Paris, c'est chouette, hein, franchement. En VR, c'est. Au moins, si un jour vous voulez voyager, bah c'est quand même assez cool. La Défense avec l'arche. Le cinéma 360 qui est fabuleux, que moi j'ai déjà testé, c'est vraiment pas mal. Tous ces magasins qu'il y a ici, les zones commerciales. On a même les tours, comment dire, les grues, pardon. Ah, c'est quand même chouette quoi. Tiens, on peut passer à travers. Hop là, enfin bon, si on veut. Après, bah, on peut aller ailleurs si on veut. Vous voyez, après, bon bah voilà. Bon voilà, il y a Paris, des choses comme ça, hein, on peut aller... voilà, le Mont Fuji. Voilà, le canyon. C'est vraiment très joli, hein. Pareil. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas les moyens de se payer un voyage aux États-Unis. Sachant, c'est vrai que c'est pas donné. On peut descendre, regardez, c'est chouette. Alors c'est vrai que ça fait un petit rond autour. Ah voilà, ça c'est moi. Là voilà. Tac, et après ça s'arrête là, vous voyez. Voilà. Bah, c'est vraiment chouette, surtout qu'avec les casques d'aujourd'hui, on apprécie encore mieux la qualité de Google Earth en fait en VR. Alors en fait, on avance comme ça et si on veut, bah on remonte, vous voyez. Si je fais ça, on reste en appuyé. Voilà, on remonte, hop là. Vous voyez. On peut faire ce qu'on veut, on peut aller par là.
Le Grand Canyon, c'est vrai que c'est quand même chouette. Hein. Le petit bouton à droite, là, voilà. Voilà, 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 je vais un peu vite. On va faire la Statue de la Liberté. Eh, c'est pas chouette, ça, regardez. Voilà. On va faire un petit tour du côté des tours. De se rappeler un petit peu des deux grandes tours qu'il y avait ici avant. Vous voyez, les grandes tours sont quand même assez chouettes, avec la nouvelle qui a été faite ici. Et là, en fait, là, bah, on voit bah, les deux tours qu'il y avait avant. C'était de Wall Street. Et c'est vrai que si on se met au pied là, vous voyez. Oh ouais. Ouais, c'est pas une hauteur réelle parce que j'y suis déjà, c'est quand même assez beau, mais c'est quand même chouette, hein. Ils ont fait des belles choses. On monte, hop là. Ah, c'est marrant, on voit à travers, quoi. L'Empire, Pierce Building. C'est chouette. Bon voilà, c'est New York, hein. C'est vraiment chouette, quoi. Enfin voilà, si vous voulez voyager partout dans le monde, on va dire bah, gratuitement, en VR, bah, Google Earth, bah, franchement c'est chouette, quoi. On va faire un petit tour ailleurs si vous voulez. Parc Gulliver. Tiens, je connais pas, tiens. Mmh. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Tiens, c'est quoi ça? Avec la gâchette, en fait, on peut directement faire ça, se déplacer. Passer de l'autre côté, reculer. Ouais, c'est joli quand même. Hein. Ils font de sacrés trucs quand même. Hein. C'est chouette, hein. Enfin bon, voilà quoi. Vous avez vu un petit peu. Bah, c'est quand même appréciable de pouvoir voyager dans le monde comme ça. Surtout qu'en VR, en plus, on a l'impression de vraiment d'y être. Le muséum, là, voilà, c'est sympa quand même. C'est chouette ça. Hein. Alors, pour une meilleure qualité, si vous avez une bonne machine, mettez en super sampling. Les images sont vraiment fabuleuses. C'est vraiment très joli. Vraiment fait pour la VR, quoi. Donc voilà. Alors je pense qu'on aura un petit peu ces mêmes choses là dans Flight Simulator 2020, ce système là en fait, comme ça, vous voyez, on pourra voler, atterrir, décoller, enfin tout ce qu'on veut dans pas mal de pays, qui sera quand même assez chouette. Le mont Everest. Voilà, enfin moi, vous voyez, le glacier. Enfin, moi ce qui est bien, on n'a pas besoin d'y aller soi-même. C'est quand même assez chouette. Allez, sur le toit du monde. Un beau soleil. Ouais, c'est chouette là quand même. C'est fabuleux. Après, Bryce Canyon. Ouais, ça c'est joli. Hein. Superbe couleur. Très chouette. Après bon bah ici vous voyez, si vous faites ça, bah en fait vous pouvez taper le nom du pays que vous voulez, enfin du moins de la ville que vous voulez aussi, des choses comme ça, et c'est quand même fabuleux quoi, je veux dire, c'est top quoi.
C'est vraiment top top top. Hein. En fait, on appuie sur la manette. Là. Hop là, on revient. Londres et Big Ben. Allez, c'est chouette ça. Ah, voir l'Angleterre comme ça, c'est fabuleux. Ouais, c'est quand même sympa. Hein. Ah oui. C'est vrai que... Ouais, c'est joli. On peut se balader comme ça. Ah, c'est quand même sympa, je veux dire. Voyez. Plutôt cool. Donc voilà, une petite présentation de Google Earth. C'est quand même assez chouette de pouvoir se promener comme ça partout dans le monde. Et là. Voilà. Belle terre. C'est chouette hein, quand même là. Et on peut la bouger comme on veut, l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud. On peut tourner le Japon, la Chine, l'Inde. Enfin, tous ces pays quoi, voilà, c'est vrai quand même, c'est quand même chouette. Donc voilà. Bon, dans tout ça, bah, j'espère que vous avez apprécié un peu la vidéo. Et si vous avez jamais testé, bah testez, vous allez voir, c'est quand même assez sympa. Si un jour vous voulez partir en vacances, c'est la meilleure des choses. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt et bon voyage dans l'espace.